aujourd'hui donc nous sommes là ce week-end-ci dans le concours, dans le cadre du concours Imagine, cadre de la finale nationale. Et aujourd'hui on a toute une série d'ateliers, d'activités qui se sont organisées donc avec le concours. Où nous avons des ateliers, par exemple ici on vient d'avoir un atelier sur comment enregistrer son projet musical chez soi, avec son ordinateur, enfin on a toutes sortes de choses comme ça. N'est-ce que c'est pas bizarre de faire de la musique avec vos concurrents, vos adversaires de demain ? Ben non, justement, parce que je trouve ça chouette ici dans ce concours, c'est que voilà, effectivement, on est tous quelque part adversaires, mais il y a une bonne entente, c'est très convivial, on s'entend tous bien, et c'est chouette justement d'être avec d'autres musiciens et de pouvoir partager avec eux malgré le fait qu'on est quelque part un peu en concurrence, il n'y a pas cet esprit de compétitivité tout le temps. Ça. La combinaison du néerlandophone et du francophone, ça va combien ? Ça va, ben, on fait tous un peu l'effort de le parler, ou alors soit on parle en anglais, ou alors ils parlent en français, nous on parle néerlandais, enfin il y a quand même un échange qui se fait, c'est pas wallon et flamand, c'est pas comme ça, tout le monde est ensemble, même les norvégiens, etc. Enfin tout le monde. La musique rassemble les gens et c'est le but ici. Vous expectez quoi demain ? Nous on espère tout simplement bien s'amuser et bien profiter de l'instant, parce que c'est quand même jouer au botanique, c'est quelque chose. Et voilà, si on gagne, bah évidemment, c'est génial, mais on verra bien ce qui se passera. Wat staat er vandaag allemaal op het programma? Twee workshops, barbecue, daar kijk ik meestal naar uit. En voor de rest denk ik nog wat jam sessies, dat gaat ook awesome zijn. Ja. Is het niet raar om zo om één dag voor de grote finale met al uw concurrenten en tegenstanders samen muziek te maken? Of hoe voel je dat? Ik vind het eigenlijk wel heel fijn, want vorige keer met de Vlaamse finale hebben we dat ook gedaan met dezelfde mensen, die komen dan weer terug. En dat is dubbel zo leuk nu, omdat we die mensen al wat kennen. Ja. Leeft er toch een gevoel van competitie of is het allemaal heel vriendschappelijk? Morgen. Morgen is die competitie, vandaag is het chillen. Er zijn hier ook enkele internationale groepen. Wat brengen zij bij aan Imagine? Ze gaan met ons jammen samen en ze gaan ook morgen sets spelen, apart van ons. Dus ja, ik denk dat dat wel een mooie bijdrage is op zich al. Wat verwacht je van de grote finale morgen? Heel veel plezier, echt. Er gaat wel, de concurrentie is heel sterk en ik vind dat fijn. Want dat is gewoon, ja, dat pusht u zelf om nog beter te gaan doen als dat je kunt. Hè. Dus. Als je nu terugkijkt op het hele Imagine-avontuur, wat heb je allemaal bijgeleerd? Vooral jammen. Ik wou jammen in de Vlaamse finale met Peter van een band, ik ben vergeet van wie. Die had heel goede technieken en heel goede tips gehad daarvoor. Ja. Voor herhaling vatbaar? Zeker, echt. Dat is echt fijn. Ja, ja, ja. Our band name is Peace Like a River. We participated in a contest pretty similar to the Imagine Festival, home in Norway. And then we got this participation here in Belgium as a special prize from that festival. Yeah. So you're all from Norway. How is it to be in Brussels here with all these young, talented people? Yeah, I think it's really great. Yeah, it's really cool. And it's very special to be in such a huge and cool city and with so many young talents. What do you expect from the concourse tomorrow, from the contest tomorrow? What do you want to see? I don't really know. I've seen many bands play and they sound really good. So yeah, I really look forward to hear them. Do you notice there are friendships between the bands, or one day before the contest is it some competition? I haven't noticed any competition yet between the bands, but I do have noticed that they are really talented, gifted musicians. So I'm looking really forward to hear them as bands and to see them on stage.